Bonjour tout le monde. Voici les 12 pays africains les plus endettés en 2024. On commence par le numéro 12. Le Ghana. Avec une dette de 36,18 milliards de dollars, depuis l'été 2022, le Ghana est confronté à une crise majeure de sa dette. En raison de cette situation, le FMI a décidé d'intervenir pour un 17e plan de soutien de 3 milliards de dollars, qui a été approuvé en mai 2023. Le pays compte plus de 34,5 millions d'habitants en 2024. Numéro 11. La Tunisie. Avec une dette de 41,6 milliards de dollars, l'endettement de la Tunisie a largement dépassé les niveaux raisonnables de soutenabilité. La Tunisie est confrontée à un frein au développement économique et à une menace de perte de souveraineté en raison de sa dette. Avec un endettement de 80% du PIB, la Tunisie a un besoin énorme d'argent pour payer les salaires des fonctionnaires, qui sont plus de 680 000. Le pays compte plus de 12 millions d'habitants en 2024. Numéro 10. L'Éthiopie. Avec une dette de 58 milliards de dollars, en 2023, la dette publique était contenue à 39% du PIB, contre 88% au Ghana et 140% en Zambie. En outre, moins d'un quart de la dette extérieure était due aux créanciers privés. L'Éthiopie est classée à risque de surendettement. En 2021, le pays a demandé le cadre commun, qui réunit les créanciers du Club de Paris et la Chine, pour essayer de réduire sa dette. Mais les négociations patinent. Le pays compte plus de 130 millions d'habitants en 2024. Numéro 9. L'Angola. Avec une dette de 59,86 milliards de dollars, la dette extérieure de l'Angola se situe à environ 52,91% par rapport au produit intérieur brut. La dette de l'Angola est à 25% envers la Chine ou ses banques publiques, et à 23% envers d'autres prêteurs privés chinois. Le pays compte plus de 38 millions d'habitants en 2024. Numéro 8. Mozambique. Avec une dette de 62,82 milliards de dollars, des scandales de corruption et de gestion opaque de la dette publique ont contribué à aggraver la situation économique du pays. Le pays compte plus de 34 millions d'habitants en 2024. Il convient de noter que l'endettement varie d'un pays à l'autre en fonction de divers facteurs économiques et politiques. Ce sont aussi ceux que la France et l'Angleterre ont auparavant colonisés. Numéro 7. Le Kenya. Avec une dette de 70,75 milliards de dollars, la dette publique du Kenya a atteint un niveau historique. En janvier 2024, le Fonds monétaire international a annoncé avoir accordé au Kenya un prêt de 941 millions de dollars pour aider le pays à renforcer ses finances. Il est important de noter que le terme « aide », utilisé par les prêteurs comme le Fonds monétaire international, ne signifie pas que l'argent prêté n'est pas remboursable ou non surtaxé. Il existe deux types de surtaxes. Les surtaxes basées sur la quote-part. Les surtaxes basées sur la durée. Plus la dette du pays est élevée, plus le pays court de risque de s'appauvrir et de perdre sa souveraineté. Numéro 6. Le Soudan. Avec une dette de 94,9 milliards de dollars, le Soudan a accumulé une dette publique importante au fil des décennies, en grande partie due à des conflits internes, des sanctions internationales et une gestion économique défaillante. La Chine est l'un des principaux créanciers bilatéraux du Soudan, avec une part importante de la dette publique soudanaise. D'autres créanciers bilatéraux incluent l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis. Le Soudan a des arriérés de paiement envers des institutions financières multilatérales comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Une partie importante de la dette soudanaise est constituée d'arriérés de paiement, c'est-à-dire de versements dus mais non effectués. Le pays compte plus de 47 millions d'habitants en 2024. Numéro 5. Le Maroc. Avec une dette de 96 milliards de dollars, soit environ 70% de son PIB. Les principaux créanciers extérieurs sont des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Le Maroc a également contracté des emprunts auprès de créanciers bilatéraux, notamment des pays du Golfe et de l'Union européenne. Le pays compte plus de 38 millions d'habitants en 2024. Numéro 4. L'Algérie. Avec une dette de 100 milliards de dollars, les principaux créanciers extérieurs sont des institutions multilatérales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. L'Algérie a également contracté des emprunts auprès de créanciers bilatéraux, notamment des pays du Moyen-Orient et de la Chine. Le pays compte plus de 45 millions d'habitants en 2024. Numéro 3. Le Nigeria. Avec une dette de 100,65 milliards de dollars, la dette extérieure du Nigeria s'élève à environ 30% de la dette publique totale. Les principaux créanciers extérieurs sont des institutions multilatérales comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement. Le Nigeria a également contracté des emprunts auprès de créanciers bilatéraux, notamment la Chine. Le pays compte plus de 220 millions d'habitants en 2024. Numéro 2. L'Afrique du Sud.
Avec une dette de 262,6 milliards de dollars, la dette extérieure de l'Afrique du Sud s'élève à environ 10% de la dette publique totale. Les principaux créanciers extérieurs sont des institutions multilatérales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ainsi que des créanciers bilatéraux comme l'Allemagne et le Japon. Le pays compte plus de 60 millions d'habitants en 2024. Et enfin, le pays d'Afrique le plus endetté, c'est l'Égypte. Avec une dette de 415,68 milliards de dollars, la dette intérieure représente la majeure partie de la dette publique égyptienne, soit environ 70% du total. Les principaux créanciers extérieurs sont des institutions multilatérales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ainsi que des créanciers bilatéraux comme les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Le pays compte plus de 112 millions d'habitants en 2024. C'est la fin de la vidéo, prenez soin de vous et à bientôt.